Shalom, bien-aimée dans le Seigneur Jésus-Christ. Je suis votre sœur depuis la Floride aux États-Unis et je viens rapidement vous parler de ce livre, Né pour combattre le diable, qui a été un outil incontournable pendant ma délivrance personnelle. Oui, l'auto-délivrance est possible. Sais-tu que tu peux te délivrer seul? Sais-tu que tu n'as pas besoin forcément que l'on t'impose les mains? Tu n'as pas besoin forcément d'une prière de groupe, d'une campagne d'évangélisation, d'une conférence de prière pour voir la main des dieux. Bien-aimé, comme toi, j'ai été moi aussi ignorante. La Bible déclare que mon peuple périt faute de connaissance. Pendant des années, je savais que j'étais soumis. Je savais et je voyais l'impact de la sorcellerie familiale. Je voyais et j'écoutais des prédications sur Internet, un peu partout. J'ai même participé à quelques prières. Mais ces prières n'ont pas été efficaces. C'est vrai, la prière à elle seule ne suffit pas parce que nous devons nous repentir et vivre dans la sanctification en bonne et due forme pour montrer à l'Éternel que nous l'aimons. La Bible dit encore que celui qui m'aime garde mes commandements. Aujourd'hui, mon frère, ma sœur, tu peux être dans la situation dans laquelle j'étais, perdu. Tu pries pendant des années, mais ce sont les mêmes problèmes qui reviennent. Je te présente ce livre qui te permettra d'entrer en profondeur dans la prière. Dans ce livre, tu trouveras des prières que tu n'as jamais faites. Dans ce livre, tu trouveras des formules, des tournures, des phrases que tu n'as jamais utilisées. Comme vous pouvez le voir, je l'ai bien décortiqué et j'ai gardé avec moi quelques points essentiels pour montrer à quel point ce livre est une arme redoutable dans le combat spirituel. Pour ceux qui sont anglophones, vous avez la version anglophone. Alors, s'il vous plaît, allez sur le site internet www.océandegrâce.com. C'est une question de vie ou de mort, parce que la mort spirituelle engendrera la mort physique. Lève-toi mon frère, lève-toi ma sœur, équipe-toi et combat le diable pour toujours et deviens un vrai guerrier de prière, deviens celui-là qui est appelé fils et fille de l'Éternel. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.